Salut, je m'appelle Pierre Bouvier du groupe Simple Plan. Et pour moi, Montréal, c'est une ville qui est extrêmement spéciale pour plusieurs raisons différentes. Une des raisons, c'est le Vieux Montréal et le Vieux Port. Des endroits qui sont tellement uniques si on les compare au reste de l'Amérique du Nord. J'ai voyagé partout dans le monde et puis quand je retourne ici, je me rends compte comment spécial ça peut être. L'ambiance qu'on retrouve dans les rues, le fait que c'est des vieilles rues pavées en pierre, les belles boutiques, il y a des belles galeries d'art. C'est vraiment un endroit qui est vraiment spécial, qui est magique, qui a une ambiance qu'on retrouve nulle part ailleurs. Dans le Vieux-Port, on retrouve le Musée des sciences, IMAX, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Il y a des spectacles, il y a la place Jacques-Cartier où il y a des gens qui font des petits spectacles pour les piétons. C'est vraiment tout le temps excitant. C'est l'endroit parfait pour prendre une belle randonnée, une petite marche ou prendre une petite crème glacée. Surtout l'été, il fait tellement beau. La température est idéale, il y a l'eau, il y a les bateaux, il y a tout. C'est vraiment un endroit spécial. Ce qui fait que Montréal se démarque du reste des villes, je crois vraiment que c'est beaucoup à cause de la bouffe, des restaurants. C'est vraiment ça le point fort de Montréal. Il y a tellement de bons restaurants pour aller souper, pour aller dîner, pour aller prendre un petit café. Pour les gens qui cherchent quelque chose de plus typiquement Montréal, quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs, il y a trois choses. Il y a le smoked meat, la poutine et puis les bagels. Pour le smoked meat, moi, mon préféré, c'est Lester's Deli. C'est super bon. Un vrai classique. Un autre élément qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs de la façon qu'on le trouve ici, c'est les bagels. Il y a quelques endroits qui font des bons bagels, mais pour moi, je trouve que Saint-Viateur Bagel, c'est vraiment le bagel typiquement montréalais. Ils en font constamment, il y a un roulement incroyable, et puis c'est vraiment des bagels Montréal. Ça vaut la peine. Pour la poutine, c'est pas compliqué, tout le monde en fait, puis c'est tellement bon. Surtout après une grosse soirée en sortie avec des amis, là. Une bonne poutine. Oh yeah! Ce qui est le fun de Montréal aussi, c'est qu'il y a tellement de quartiers différents qui ont chacun leur petit cachet. Il y a le Mile End, il y a le Plateau Mont-Royal, il y a le Vieux Montréal, il y a le marché Atwater, il y a tellement de choses à voir. C'est tellement accessible pour tout le monde. Il y a le métro, il y a même les bicyclettes qui s'appellent les Bixi, qu'on paye quelques dollars pour une bicyclette pour 24 heures pour vraiment voyager et voir tous les endroits différents. Alors, comme vous avez vu, il y a tellement de choses incroyables à venir visiter à Montréal. Il y a de la bouffe, il y a de l'action, il y a du beau monde, de l'architecture, du paysage. Venez voir ça. Montréal, c'est incroyable.